vais te raconter une des affaires médicales qui a le plus secoué les États-Unis et qui s'est révélée être une des plus grosses fraudes de l'histoire. Dimanche 14 juin 2015. La police du Missouri se rend au domicile d'une mère célibataire et de sa fille gravement handicapée. Des voisins ont informé la police après avoir lu ces messages très inquiétants postés sur leur compte Facebook. À l'étage, ils retrouvent la mère poignardée, mais sa fille reste introuvable. Son fauteuil roulant et sa sonde gastrique sont encore dans la maison et on sait qu'elle ne peut pas se déplacer ni vivre sans. Ils s'imaginent le pire. La police la déclare portée disparue. Quelques jours plus tard, elle est retrouvée au domicile de son petit copain, Senesov, mais ils avouent avoir orchestré le meurtre et posté les messages sur Facebook. Plus troublant encore, la fille, soi-disant handicapée, se révèle être en parfaite santé et se tient complètement debout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi avoir tué sa mère? Pourquoi a-t-elle fait croire qu'elle était handicapée? Et qui est ce petit copain complice de meurtre? Voici le récit d'une des plus grandes impostures médicales jamais vues, l'histoire de Didi et Gypsy Rose Blanchard. En 1991, Didi Blanchard donne naissance à sa fille unique, Gypsy Rose Blanchard. Tout commence quand Gypsy est encore un bébé. Dès ses 3 mois, Didi l'emmène à l'hôpital car elle est persuadée que sa fille souffre d'apnée du sommeil. Mais les analyses médicales ne trouvent rien du tout. À 7 ans, alors qu'elle faisait un tour en moto avec son grand-père, la jeune fille chute et se blesse au genou. Elle se fait alors opérer et sa mère la place sur un fauteuil roulant. Elle ne le quittera plus pour le reste de sa vie. Quand elle atteint ses 8 ans, sa mère découvre qu'elle est atteinte d'une leucémie et de faiblesse musculaire. Didi commence alors à raser la tête de Gypsy pour éviter que ses cheveux tombent à cause de la chimiothérapie. Gypsy souffrant aussi d'un retard mental, Didi la retire de l'école pour lui faire des cours à domicile. D'année en année, sa mère découvre de nombreux problèmes médicaux à Gypsy. Problèmes d'audition, de vue, d'épilepsie, de reflux gastrique, allergie. Elle est alors placée sous sonde gastrique pour être mieux nourrie. Convaincue par sa mère, les médecins donnent une bonne dose de médicaments à Gypsy, ce qui lui cause des problèmes dentaires et conduit à l'arrachement de plusieurs de ses dents. Le destin de Gypsy semble déjà tout tracé. Elle allait sûrement passer toute sa vie à l'hôpital. Et pourtant, si le problème n'était pas la santé de Gypsy, mais plutôt celle de sa mère. La vérité, c'est que Gypsy peut marcher. Elle n'a pas besoin de sonde gastrique et elle n'a pas de cancer. Ce qu'ont découvert les États-Unis ce 14 juin 2015, c'est l'étendue que peut prendre le syndrome de Munchausen par procuration. Ce syndrome est reconnu par le DSM-5, c'est-à-dire la Bible des psychiatres. Le syndrome de Munchausen se retrouve chez une personne qui va faire semblant d'être malade ou produire des symptômes pour attirer l'attention et l'empathie des autres. La personne peut se le faire à elle-même, on dit que le trouble est auto-induit. Si le malade le fait à quelqu'un d'autre, comme son enfant, on parle de Munchausen par procuration, et c'est perçu comme de la maltraitance. Mais en fait, c'est très dur à diagnostiquer, car les malades ont souvent une très grande connaissance du milieu médical. Ils changent régulièrement de médecin, falsifient des documents médicaux, volent des médicaments, et peuvent même jusqu'à mutiler leur enfant pour provoquer des vrais symptômes. Les patients souffrant de ce syndrome ne le font pas pour un bénéfice matériel. Ils veulent plutôt attirer la compassion, l'empathie, et que les gens les voient comme des bons parents prenant soin de leur enfant malade. Did you understand that you being sick was necessary to keep up what she built? Because you got a house from Habitat for Humanity, you got donations, you got different things from people for being sick. So that was a source of income for her, right? It was, yes. And I had no idea that I was a part of that. You didn't know that you were a cash cow? No. Pendant bien longtemps, Gypsy croyait dur comme fer aux maladies que sa mère lui inventait. Elle avait juste découvert qu'elle pouvait marcher. Sauf que quand elle le faisait, sa mère l'obligeait à rester dans son rôle. Elle la battait avec des cintres, surveillait ses déplacements en mettant des clochettes aux portes, et ça lui a déjà arrivé de l'attacher au lit. En 2005, l'ouragan Katrina a bien profité au mensonge de Didi. Elle a pu justifier le manque de dossiers médicaux par la destruction de sa maison et rédiger des faux certificats de naissance pour faire paraître Gypsy plus jeune. En 2007, l'association Habitat pour l'Humanité leur construit et offre gratuitement une nouvelle maison. Peu à peu, la jeune fille commence à se rendre compte des mensonges de sa mère. En 2012, Gypsy rencontre Nicolas sur un site de rencontres chrétiens. Nick est autiste et souffre de troubles dissociatifs de l'identité. Didi découvre leur conversation et casse son ordinateur. Mais Gypsy et lui continuent leur relation virtuelle et elle lui confie les maltraitances de sa mère. Ils se rencontrent un peu plus tard et préméditent le meurtre.
Gypsy fait donc rentrer Nick dans sa maison et lui donne un couteau et se cache dans la salle de bain. La suite, vous la connaissez. L'histoire de Gypsy a été médiatisée un peu partout dans le monde. De nombreux Américains ont été choqués d'apprendre tous les mensonges inventés par Diddy. L'histoire a même été adaptée dans la célèbre série The Act, interprétée par Patricia Arquette et Joe King. Beaucoup de témoins racontent la pression que Diddy mettait sur Gypsy chaque fois qu'elle faisait des sorties en public. Elle lui pressait la main, parlait à sa place. Gypsy n'était jamais seule. Elle était complètement sous l'emprise de sa mère. Gypsy est finalement condamnée à 10 ans de prison ferme pour le meurtre de sa mère en second degré. Pour Nick, c'est la prison à perpétuité. Aujourd'hui, Gypsy est en bonne santé. Elle affirme être bien plus libre en prison qu'avec sa mère. Elle s'est mariée avec un homme qui lui a envoyé des lettres en prison. Elle pourrait même sortir en 2024 avec les allègements de peine. Coupée du monde et sous l'emprise de la maladie de sa mère, elle a vu son assassinat comme seule issue possible. Cette histoire a permis au monde entier de découvrir le syndrome de Munchausen par procuration. Mais malheureusement, Gypsy n'est pas la seule victime de cette maladie. D'autres affaires ont été médiatisées et quelques personnes ont eu le courage de témoigner. Eminem par exemple dans deux de ses chansons. Mais la vraie histoire, c'est qu'on ne sait pas en fait combien de personnes pourraient être sous l'emprise de personnes atteintes de ce syndrome. Et là, il y a un gros travail à faire. Les médecins doivent pouvoir avoir des outils diagnostiques plus efficaces. Mais le grand public doit pouvoir aussi être sensibilisé à ces maltraitances et rester vigilant au sein de leur entourage. Si tu as aimé cette vidéo, je te propose d'en découvrir une autre sur un scientifique américain qui aurait volé et caché dans son salon le cerveau d'Einstein pendant 33 ans. C'est une histoire vraie, tu peux cliquer juste ici.